Right there. Okay, so we'll start the usual way. Let me try to click, and it's à vous la parole. The usual, so I would like you to put in the chat une phrase pour parler de votre matinée, après-midi ou soirée. So whether you use the present or then passé récent or passé composé. So write that in the chat, and then I will look at it and correct it if necessary. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, nous commençons avec Julia qui dit « Je suis venue de me réveiller ce matin quand j'ai compris que je voudrais un café. » Ouais, be careful, Julia, because you don't say « Je suis venue de me réveiller. » So, whether you go for the « Je me suis réveillé », so in that case, it would be the passé composé, or « Je viens de me réveiller », but it's right now it's too far away to go for the je viens de me réveiller. So you should use the passé composé. Je me suis réveillé ce matin. Alors Maria, j'ai essayé de faire de la gymnastique à la maison. Très bien. Jean, j'ai mangé des céréales. Remember, Jean, that céréale goes with L-E-S in French. I assume, Jean, that you don't have the accent on your keyboard. Remember that manger, because it's the past participle, should be with this accent aigu. Alors, attendez, because it's going fast now. Madelon, je vais jouer à un jeu en ligne avec ma famille ce soir. Ah, Madelon, and she wants to speak about the future. I was asking for the past, but it's okay, Madelon. No worries. Alors, Lanley is saying, hier, je n'ai pas parlé français. D'accord, pas de problème. Same thing, Lanley, remember that, so I don't know if you've got the accent on your keyboard. Parler should be with the accent aigu, hein, because it's a participe passé. Lee, je parle avec mes amis ce soir sur phone. Ouais. Lee, remember that we will use au téléphone in most of the cases. Phone, we don't really use that. And ce, remember that when you use the demonstrative, it should be ce, ce soir. Hein. Phonetically, it was good, but unfortunately, it's ce, ce soir. Kanika is writing, je viens de manger un café. Are you sure that you've been eating the coffee, Kanika, or you've been drinking maybe? So I don't know. I mean, we can discuss about that. In most of the cases, I guess people drink it. So it should be boire maybe, but if you want to eat, it's okay. Boire, remember, B-O-I-R-E. D'accord. Michaela, je jouerai au basket dans... Oui, faites attention, Michaela, soirée, c'est féminin. It's feminine. La soirée. D'accord. Fa is saying, je suis allé... Oui, remember that in French, it's not market, but it's marché. C-H and then E accent aigu. And because it's masculine, you will say, instead of aller, you will get the contraction au, au marché. J'ai acheté quelque chose. Très bien. Finza is telling us, j'ai fini mes études. Très bien. Same thing, Finza. Maybe you've got, if you don't have the accent, remember that étude goes with the accent aigu. Jason, j'ai fait l'origami. Très bien. Valentina, je suis la Valentina. Bonjour, Valentina. Alors, ensuite, Classis nous dit, ce matin, j'ai parlé... Alors, oui, regardez. Alors, parler à quelqu'un, d'accord? Donc, j'ai parlé à, and if it's the feminine form, ma cousine. So, put the E in the end, because in that case, it would be cousin, the form that you wrote, so it's the masculine form. Qui planifie, anniversaire, c'est masculin. Un anniversaire. D'accord, le cinquième en octobre. Mathieu, je me suis réveillé, je me suis lavé, j'ai mangé le petit déjeuner. Remember, Mathieu, that most of the cases with this petit déjeuner, you will probably want to use prendre. J'ai pris le petit déjeuner. D'accord, et j'ai bu le café aussi. Parfait. Madelon, pardon, j'ai joué un jeu en ligne avec
Remember, avec, with a C, ma famille hier soir, Vladimira. Je cassais un mur dans le jardin. D'accord, très bien. Kesh, j'ai dormi toute la journée. Finza, je me suis habillée. Très bien, Finza. Remember, if it's the so with the accent in the end, habillé. And because you're using this form, whether you put the masculine form, and in that case it would be a like that. If you put the feminine form, it should be with the a in the end. You add one. So Vladimira is correcting. J'ai cassé un. Remember, un mur. Un, the article, it's UN. D'accord? Très bien. Ah, Finza, OK, you corrected it. OK, merci beaucoup. On peut continuer, si vous voulez, avec le vocabulaire. S'il vous plaît, trouvez 5 mots associés à la photo et écrivez-les dans le chat encore. Juste les mots, OK? If you find nouns, in that case, I would like you to put the article just to see if you remember the gender, if it's masculine or feminine. And this is the picture. OK, take your time. Try to find 5 words. I mean, 5 is the goal. It could be less, of course. Alors, Ankan nous dit « les lunettes ». Très bien, c'est pluriel. Une tasse. Faites attention, Ankan, une tasse, c'est T-A-S-S-E. D'accord, regardez. Je vais le mettre là, mais peut-être que ça va aller rapidement après. Voilà. Alors, Lanley, « I want to describe ». Ils sont très heureux, effectivement. D'accord. Alors, Kanika, l'homme, la femme, la table, d'accord? Remember, Kanika, that in that case, when you put the article le, because after that you get the sound of a vowel, you should put the apostrophe. So, l'homme, ok? Finza, une tasse. Oui, alors Finza, it's a common mistake. Be careful, because it's une tasse, but and after that it should be de. Remember, une tasse de café. It will be the same if you start to define the quantity like un bouquet de fleurs, une bouteille de champagne, etc. OK? Alors, Dina, donc une tasse, le bureau, très bien. Julia, une chemise. Oui, attention, cravate, c'est féminin. Une cravate, les mains, les fenêtres. Oui, les mains, probablement. Et l'ordinateur, d'accord. Main, M-A-I-N-S, Julia. Madelon, une tasse. La chemise rose, effectivement, les lunettes. Le pantalon, faites attention, pantalon, juste un haut. Madelon, hein, pas de haut, un on. Et la brique, très bien, effectivement. Dina, la fenêtre, d'accord. So if you don't have the accent, Dina, it's okay like that. If you've got the accent, remember that you should have the circonflexe, like the little hat on the second remember. Alors, classique, sourire, c'est un verbe, très bien. La chemise rouge, d'accord, une tasse. 4 personnes, une grande. Oui, faites attention, classis, c'est féminin. Hein? Donc, une grande. Ah, chambre. We could discuss about that, classis, but you know, in most of the cases nowadays, when we use chambre, it's the place where you will sleep, in fact. So, if it's more neutral, it will be une pièce. Une grande pièce, and it's feminine too. Maria, un bureau, des collègues, il travaille, ordinateur, un café. D'accord, café, c'est masculin. Et ordinateur aussi. Michaela, le verre, l'homme, les pantalons. Et attention, Michaela, mur, c'est masculin. Un mur derrière les personnes. Finza nous dit les murs, d'accord, effectivement. Michaela nous dit une, faites attention, verre, c'est masculin. Un verre, d'accord. Fa nous dit un homme, une jolie femme. Femme, you don't have any accent on the fa, ok? And then remember that tasse, it's feminine, so une tasse de café. Julia, non, les mains without the e. M-A-I-N-S, les mains. Vladimira, je mange mon café expresso du matin au bureau, d'accord?
Nelson, bonjour Nelson. Try to find some words, but the exercise is almost ready. We'll do the phonetics right after. Finza nous dit les lumières, très bien. Fa, faites attention à la fenêtre. Fenêtre, you don't have the T. Hein? T is after E, so between E and R. Fenêtre. Jean nous dit les lunettes, le pantalon, only one O, pantalon bleu, beaucoup de fenêtres, un bureau, un sourire. D'accord, très bien. Mathieu, un homme boit le café et une femme qui porte des lunettes. Ils utilisent un ordinateur portable. Ouais. Personnellement, je dirais une tablette, mais bon, c'est discutable. Il y a une fenêtre là aussi. Très bien, merci beaucoup. Alors, l'exercice suivant, c'est... Attendez, si ça fonctionne, je ne sais pas pourquoi ma... Voilà, elle est là, ma souris. C'est la phonétique. Et Nana, vous allez commencer, s'il vous plaît. Nana, est-ce que vous êtes là? Alors, Nana, vous pouvez ouvrir... Oui, très bien. Bonjour Nana. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous lire les mots que vous voyez? Ok. Casse. Cash. Laser. Léger. Voilà. Léger. D'accord. So the advice for everybody, try to repeat after us at the same time. Okay? So, Nana, you will repeat after me. Gaz. Cage. Good. Léger. 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 Merci beaucoup, Nana. Jason, léger. S'il vous plaît. Please, I have a question. Yes, why is can. The other léger is léger and then okay, the A. Okay, I understand. Well, basically, yeah, it's exactly the same structure. The only difference would be between the z and the j. Okay, same thing for the previous. D'accord. Merci beaucoup, Nana. Jason, s'il vous plaît, c'est à vous. Bonjour, Jason. Alors, regardez, c'est la même chose. Je vous écoute, s'il vous plaît. José, Roger, assis, agis. D'accord. Essayez de faire le zzz un tout petit peu plus léger. Encore une fois, rosé. Good. Roger. Asie. Agi. C'est parfait. Encore une fois, s'il vous plaît, Jason, la totalité. Ah. Est-ce que vous pouvez? Can you repeat one more time, please, the whole thing? Thank rosé. Roger. Asie. Agis. C'est parfait, Jason. Merci beaucoup. Yulia, s'il vous plaît, c'est à vous. Alors, nous vous écoutons, Yulia. C'est la catégorie suivante. Cage. Casse. Agis. Assis. D'accord. On va juste les répéter. Cage. Cage. Casse. Casse. Agis. Agis. Assis. Assis. C'est parfait. Merci beaucoup, Julia. Maria, s'il vous plaît, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, s'il vous plaît, nous vous écoutons. As. Alors, assez. Ouais. Regardez avec l'accent. So the first one with the accent. Pardon. Ouais. Oui. Assez. Assez. L'air. Zer. Ser. D'accord. On va les répéter. Répétez après moi. Agé. Azé. Assez. Assez. Gère. Zer. Serre. Serre. Ok, merci beaucoup. Ankan, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je prononce correctement. Oui. Oui, je prononce correctement. Attendez une petite seconde. Voilà. Oups, c'est à vous, s'il vous plaît. Casse. H. Assis. Achi. D'accord, on va juste les répéter tranquillement. Casse. Casse. Cache. Assis. Achi. C'est parfait, Ankan. Merci beaucoup. Kanika, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Regardez, vous avez encore des mots. Je vous écoute. Assez. Haché. So remember that this H, the first one, doesn't exist. So you don't pronounce it and it's haché. Haché. Voilà. Ser.
cher. D'accord. On va répéter ensemble. Hacé. Hacé. Haché. Haché. Serre. Serre. Cher. Cher. C'est parfait. Dina, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là, Dina? Oui. Très bien, Dina. Regardez, regardez. Vous avez des mots. Nous vous écoutons. Hachou. Mm-hmm. Hachou. Mm-hmm. Le sein. Oui. On va prononcer ici le S final. L'essence. L'essence. Mm-hmm. Le chance. C'est parfait. On va répéter. Répétez après moi. Assure. 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 L'essence. L'essence. Les chances. Les chances. C'est parfait. Merci beaucoup, Dina. Madelon, s'il vous plaît. Madelon, vous avez une autre liste. Nous vous écoutons. L'homme. Mm-hmm. L'homme. Mm-hmm. Lui. Mm-hmm. Riz. Ah, bah, écoute. Ah, faites attention, on ne prononce pas le Z final. En fait, donc c'est ri. Oh, oui. D'accord. Oui. Répétez, ri. Ri. Merci beaucoup. Répétez après moi, l'âme. L'âme. Ram. Ram. Li. Li. Ri. Ri. Je vous remercie, Madelon. S'il vous plaît, Classis. Bonjour, Classis. Comment ça va? Oui, je suis ici. Eh ben, très bien. Regardez, vous avez votre liste. Nous vous écoutons. Lire. Mm-hmm. Rire. Mm-hmm. Noir. Croire. D'accord. Répétez après moi. Lire. Lire. Rire. Rire. Loi. Loi. Roi. Roi. Eh ben, écoutez, c'est parfait, Classis. Merci beaucoup. Ken, s'il vous plaît, nous vous écoutons. Oui. Pour oui, la oui. suite. Long, mm-hmm. Grand, mm-hmm. Les, mm-hmm. Très. D'accord. Encore une fois, répétez après moi. Long, long, rond, rond, les, ré. Très. Mon Dieu, c'est parfait. Tout le monde prononce très bien. Mathieu, s'il vous plaît. Mathieu, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Long. Ah, oh, excusez-moi, attendez. Pardon. Oh, voilà, okay. désolé. Allez. Sen. Mm-hmm. Chen. Mm-hmm. So. Oui. Chaud. C'est parfait. Alors, souvenez-vous, le dernier, on ne prononce pas le D. Hein. Chaud, le dernier. Ok, d'accord. Chaud. Oui. Alors, répétez après moi, s'il vous plaît. Sen. Sen. Chen. 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 So. 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 Chaud. Chaud. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas qui. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Ok. Alors, ensuite, Finza, s'il vous plaît, c'est à vous, Finza. Oui. Oui, bonjour, Finza. Regardez, vous avez une liste différente. Nous vous écoutons. Ça. Mm-hmm. Ça. Mm-hmm. Songs. Voilà. Alors, le S final, you don't pronounce the final S in that case. Sans. Sans. Oui. Chant. D'accord, très bien. Se répéter après moi. Salle. Salle. Châle. Châle. Sans. Sans. Chant. Chant. C'est parfait. Merci beaucoup, Finza. Moutia, vous êtes là, Moutia, s'il vous plaît. Alors, Moutia est-elle là ou pas? Non, oui, je ne sais pas. Alors, Moutia, est-ce qu'on vous attend? Non, on ne vous attend pas. On essaiera tout à l'heure. Vladimira, s'il vous plaît. Vladimira, est-ce que vous êtes là? Vladimira n'est pas là non plus. Nana, on va reprendre avec vous, s'il vous plaît, Nana. Yes. Ah, Vladimira est là, très bien. Yeah, pardon. Ah, c'est pas grave. I thought you were gone. Alors, on y va. Yeah. C'est à vous. Look at the list and we're listening yeah. to. Okay. Penser. Mm-hmm. Remember. Yep. Remember that you have the nasal en, so it's really en. Penser.
Ah, penser. Ouais. And the second one, pencher. Pencher. Ouais. Ok. Ok. Toucher. Ouais. Et toucher. D'accord. Répétez après moi, s'il vous plaît. Penser. Oui. Penser. Pencher. Pencher. Tousser. Tousser. Toucher. Toucher. Merci beaucoup, Vladimir Anana. Nous Merci. Vous écoutons. On va continuer la liste. Si vous êtes toujours là, Nana, nous vous écoutons. Choix. Oui. Joie. Oui. Chat. Oui. Yar. Alors, faites attention, c'est vraiment un J-J-J, hein. Jar. Jar. Ouais. Jar. Hein? En fait, vous avez exactement le même pour le joie et jar. Hein? C'est vraiment le J, ok? Ah, on va écrire ensemble. Le premier, choix. Choix. Joie. Joie. Char. Char. Jar. Jar. C'est parfait, Nana. Merci beaucoup. Jason, s'il Merci. Vous plaît. Merci. Jason, ça continue. Nous vous écoutons, Jason. Chaîne. Hmm? Gêne. Parfait. Chute. Oui. Chute. Mon Dieu, c'est magnifique, Jason. Vous pouvez être fier de vous. Julia, s'il vous plaît, la liste continue. Cage. Oui. Cache. Mm-hmm. H. Oui. H. D'accord, très bien. Juste, on va les répéter ensemble. Cage. Cage. Cache. Cache. Âge. Âge. H. H. C'est parfait. Merci beaucoup, Julia. Maria, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? Oui. Oui. Alors, on y va, s'il vous plaît. Ange. Ouais. Essayez de faire la nasale vraiment comme une nasale. En, en, en. Ange. Ange. Ouais. Anse. Ouais. Bouset. Oui. Bousset. D'accord. Bousset. Répétez après moi. Ange. Ange. Anche. Anse. Bouger. Bouset. Boucher. Bouset. C'est parfait. Merci beaucoup. Ankan, s'il vous plaît. Ankan, c'est pour vous. Bonjour. Alors, attendez. Bonjour. On y va. Je vous écoute. Qu'est-ce? Alors, faites attention. Cesse. Cesse. Mmh. Cesse. Mmh. Bus. Mmh. Bus. D'accord. Répétez après moi. Cesse. Cesse. Seize. Seize. Bus. Bus. Buse. Buse. C'était. Oui, faites attention. Buse. Buse. Oui, merci beaucoup. Très bien. Ensuite, c'était Kanika, s'il vous plaît. On continue. Oui. Douce. Donc, oui. Douce. Mmh. Os. Mmh. Os. C'est parfait. Répétez. Douce. Douce. Douze. Douze. Os. 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 C'est parfait. Merci non. beaucoup. Merci. Dina, s'il vous plaît, nous vous écoutons si vous êtes là. Je suis là. Eh bien, très bien. S'il vous plaît, la liste. Has. Oui. Has. Alors, oui, ici, vous faites vraiment comme un z, 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 z. Rase. Rase. Voilà. Casse. Mm-hmm. Case. Voilà, OK. On va les répéter. Donc, c'est vraiment la distinction entre le s, hein, le premier, et le z, OK. Donc, le premier, race. Race. Rase. Rase. Casse. Casse. Case. Case. Eh bien, écoutez, c'est parfait, Dina. Merci beaucoup. Merci. Alors, attention, un petit exercice. S'il vous plaît, une petite phrase pour décrire cette photographie. Donc, comme d'habitude, vous l'écrivez dans la partie chat et nous ferons la correction ensemble.
Voilà. Alors, regardons les phrases que vous avez écrites. Mathieu, vous dites « les animaux mignons ». Alors, faites attention parce que « mignon », phonétiquement, c'était correct. Mais on écrit… Attendez, je vais le mettre là. J'espère que ça ne va pas partir. Ça, c'est l'adjectif basique, hein, « mignon ». Et donc, dans cette phrase-là, ce serait bien de le mettre au pluriel avec un « s ». Alors, attendez, ça commence à aller trop rapidement. Donc, les animaux mignons ne veulent pas le Covid-19. Effectivement, Julia, il y a… Alors, un… Ouais, faites attention parce que c'est panda, c'est masculin. Donc, petit, P-E-T-I-T, hein, c'est pas avec un D et c'est pas le féminin, qui a peur de quelque chose. Oui, faites attention, quelque chose, c'est en deux mots, hein, quelque… Et après, chose. Alors, Madelon, le panda, porte son PPE. Dina, pauvre panda. Ouais. Faites attention, Dina, parce que l'expression, c'est avoir peur. Hein? Remember that you need to put avoir. So, pauvre panda, maybe we should put an article. Le pauvre panda, or then un pauvre panda, a. So, this is the verb avoir. Peur du virus, d'accord. Nadezda qui nous dit un bel animal a. Alors, be careful, Nadezda, because un bel, it will be written like that. Un bel animal. Oups, mon Dieu, c'est parti. Un bel animal. Where are you? Voilà, un bel animal. Alors, and Nadezda, be careful with this a maladie, because whether you say est malade, so if you want to say that he's sick, il est malade, so we'll use the verb être, d'accord? Or then you will use il a, but then in that case you cannot put like an adjective, you would put the substantive, il a une maladie, d'accord? Alors attendez, j'essaye de retrouver maintenant, voilà, donc c'était là. D'accord. Michaela nous dit les yeux du panda sont très bleus. C'est vrai. Michaela qui se concentre sur les choses positives. Michaela, c'est bien. Kesh, le chat blanc porte des lunettes. C'est vrai aussi, Kesh, c'est amusant. Nelson, le chien est en colère. Is it a dog, Nelson? Maybe it is. Nobody knows. Alors, I just called. Oui. Alors, faites attention, I just called, parce que vous, you should put an article first. So, whether you go for un panda or then le panda, because we can see the panda that we're talking about. And then we should put être, hein, être en quarantaine. It's actually quite funny if you think about that, because... as you probably remember, 40 is like that. And when we are talking about une quarantaine, which is, well, it's a word that will express actually from 40 to 49. So, être en quarantaine, it's when they keep you between that period of time or not as long as that, but still away. Alors, ensuite, c'est mon Dieu, je ne trouve plus. Oui, Jason, le panda. Ouais, faites attention, Jason, the verb porter. Hein, porter. So, first group, but then when you conjugate it, you should have a in the end of your verb. Remember, je porte a, tu portes es, il porte a. Lanley est saying l'ours est adorable, effectivement. Maria, un petit animal qui a peur du vivide. Alors, c'est le Covid, effectivement. Le chien voudrait. Kanika, be careful with voudrait. Because voudrait, in that case, you are using what we call conditionnel. Hein, conditionnel présent. And the ending for this third person should be A-I-T. It's not S, but it's T. D'accord? Maria has been correcting the COVID-19. No worries, Maria. Alors, Mi nous dit un bel animal. C'est vrai que c'est un bel animal. Mi, Jean, mon Dieu, le monde est... Oui, faites attention, Jean. As I've been writing, it's en quarantaine. Hein? It's not with the I-N-E in French, but it's N-A-I-N-E. Finza, le panda déteste l'air. C'est possible. Et voilà, Nana nous dit la chienne
protège du coronavirus. So, Nana, be careful because protéger, it's to protect. But in that case, you want to use this reflexive concept. So, remember that not for all the verbs, but in that case, it's possible to use the pronominal version, se protéger. Okay? But then when you conjugate it, of course, in that case, you will say le chien or la chienne, it's up to you, se protège, hein? Se protège. So you need to put the pronoun, and in that case, I understand that it's reflexive. Mi, il a une maladie, c'est possible. Vladimira, veuillez garder votre sou. Classis, il est mignon, mais c'est dommage qu'il porte un masque. C'est vrai, effectivement. John, qu'est-ce que vous dites? Obtenez vos masques. 3 pour 20 euros, pas cher, à moitié prix. D'accord. Finza, alors il y a une personne qui ne s'est pas baignée. Yeah, be careful, Finza, because baigner is really to swim, to bath, but it's not really with this concept of to get clean. So it would be qui ne s'est pas lavé. Hein? We would use rather se laver than se baigner. Hein? And Anne Kahn nous dit le panda porte le masque. Faites attention, masque c'est masculin car il y a beaucoup de pollution. D'accord, merci beaucoup. Okay, so we'll continue now with the next thing. So let me see, it's Madelon. Madelon, are you here? Oui. Très bien, Madelon. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes prête? Vous connaissez l'exercice, c'est le même qu'hier. Je vous donne le verbe, vous me donnez « je » au présent. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Très bien. Croire, oui. Je? Je crois. Très bien. Demander? Je demande. D'accord. Rester? Je reste. Répondre? Je réponds. Mm-hmm. Faites attention, DS, but you don't pronounce them. Hein. Je réponds. Je réponds. Oui. Entendre. J'entends. Oui. Même chose ici. DS, mais on ne prononce pas. J'entends. J'entends. D'accord. Penser. Je pense. Arriver. J'arrive. Connaître. Je connais. Devenir. Je devenais. Ah, presque. Alors, souvenez-vous, devenir, c'est comme venir. Venir, c'est je viens. Devenir, regardez Madelon, regardez dans le chat, c'est comme venir, hein, venir, je viens, devenir, je deviens. Revenir, je reviens, etc. Et sentir. Je sens. Oui, très bien. Merci beaucoup, Madelon. Classis, s'il vous plaît, c'est à vous. Les mêmes verbes et vous allez me donner la forme tu au présent. Croire, tu. Tu crois. Demander, tu. Tu demandes. Rester. Tu restes. Répondre. Tu réponds. Oui, même chose. Hein. Répond. On. Finissez avec le on. Tu réponds. Très bien. Entendre. Tu entends. Oui. Même chose, je ne veux pas entendre de D. Tu entends. Tu entends. Mm-hmm. Penser. Tu penses. Arriver. Tu arrives. Connaître. Tu connais. Devenir. Tu deviens. Sentir. Tu sens. Merci beaucoup. Ken, s'il vous plaît, c'est la même chose pour vous. Oh oui, non. Oui. Ken, on va prendre elle au féminin, s'il vous plaît. Croire. Elle croit. Demander. Demander. Elle demande. Elle demande. Mm-hmm. Rester. Elle reste. Répondre. Elle répond. Oui, même chose ici. Répond. Le D, vous ne prononcez pas. Elle répond. Elle répond. Entendre. Entend. Mm-hmm. Penser. Elle pense. Arriver. Elle arrive. Oui. E final, pas prononcé. Elle arrive. V.
Elle l'écrive. Oui. Connaître. Elle connaît. Mm-hmm. Devenir. Elle devenir. Attention, attention. Alors, faites attention. C'était je deviens, tu deviens, elle devient. Avec un T. Devient. Ouais. Yeah. Et finalement, elle sentir. Elle sent. Elle sent. On est d'accord. Merci beaucoup, Ken. Mathieu, c'est pour vous, s'il vous plaît. Mathieu, vous êtes là? Oui. Oui, Mathieu, on continue. Croire, et c'est nous, s'il vous plaît, nous. Nous croyons. Demandez. Nous demandons. Oui, restez. Nous attendons. Oui, répondre. Nous répondons. D'accord, entendre. Nous entendons. Oui, est-ce que vous pouvez faire une petite liaison, s'il vous plaît? Nous entendons. Nous entendons. Oui, et faites attention, c'est vraiment un « en », nous en, nous entendons. Nous entendons. D'accord, effectivement. Penser. Nous pensons. Répondre. Pardon, excusez-moi. Arriver, j'étais à la mauvaise ligne. Nous arrivons. D'accord, connaître. Nous connaissons. Ouais, félicitations pour celui-là. Devenir. Nous devons. Nous devenons. Ouais. Et en fait, le deuxième E, il va presque disparaître. C'est-à-dire que vous allez prononcer nous devenons. Nous devenons. Voilà, c'est parfait. Sentir. Ok. Nous sentinons. Oups, est-ce que vous êtes sûr? Vous êtes trop généreux, Mathieu. Nous sentons. Sentons. Ouais, c'est parfait. Donc, encore une fois, nous sentir, sentons. Nous sentons. Merci beaucoup. Nous sentons. Merci beaucoup. Très bien. Finza, s'il vous plaît, vous êtes là, Finza? Finza, vous êtes là, je suppose. Oui. Nous vous écoutons. Alors, nous vous écoutons. Vous avez la même liste et ce sera pour la personne « vous », s'il vous plaît. Croire. Vous croirez. Alors, oui. Vous croyez. 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 D'accord. Demandez. Vous demandez. D'accord. Restez. Vous restez. Oui, répondre. Vous répondez. Oui, c'est parfait. Entendre. Vous entendez. Très bien. Penser. Vous pensez. Arriver. Vous arrivez. Oui, vous pouvez faire la liaison. Vous arrivez. Vous arrivez. Très bien. Connaître. Alors, connaître. Vous connaissez. Vous connaissez. D'accord. Devenir. Vous devenez. D'accord. Sentir. Vous, je peux vous aider si vous voulez, vous sentez. Répétez. Vous sentez. Ah ben écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup, Finza. Vous avez réussi. Yeah! Félicitations. Moutia, je ne sais pas si vous êtes là, Moutia. Où est-ce que Moutia a disparu? Vous êtes toujours sur ma liste, mais je pense... Oui. D'accord, je ne sais pas si vous avez disparu. Regardez la même liste et vous allez me donner « elle » au féminin pluriel. Oui. Bon, on y va, croire. Oui. Elle croit. Oui, demander. Elle demande. D'accord, rester. Elle laisse. Mm-hmm. Répondre. Elle répond. Oui, alors prononcez bien le pluriel, elle répond de. Hein, parce que c'est D-E-N-T, elle répond. Ah, ok. Elle répond. Oui, entendre. Elle entend. Oui. Même chose, D-E-N-T. Elles entendent. Elles entendent. Voilà. Pensez. Elles, en,
Elle pense arriver. Elles arrivent. Oui, elles connaître. Arrivent. C'était parfait, oui. Connaître. Elle connaît. Oui, on va le mettre au pluriel. S-S-E-N-T. Elles connaissent. Elles connaissent. Elles connaissent. D'accord. Devenir. Alors, devenir, ça, c'est les difficiles. Alors, Moutia a des problèmes techniques. Alors, nous allons attendre que Moutia règle ses problèmes. Vous êtes là encore, Moutia? C'est très difficile. Attendez. Alors, on va finir. Je ne sais pas. Vous ne savez pas, c'est pour ça. C'est la technique. Elles deviennent. Elles deviennent. Et le dernier, sentir. Oui, oui. Alors, le dernier, sentir oui. Moutia, c'est oui. Elles sentent. D'accord. Merci beaucoup, Moutia. Alors, petit problème technique, mais ce n'est pas grave. Elles sentent. Oui, elles sentent. Très bien. Merci beaucoup. Alors, très bien. Attention, on va faire un petit exercice, s'il vous plaît. J'espère que vous êtes prêts. Ça va être assez rapide. Je vais juste vous donner un verbe. Vous allez voir, ce sera en anglais. Et vous m'écrirez la traduction infinitif en français, s'il vous plaît. Et le verbe c'est to believe. Alors, to believe, qu'est-ce que c'est en français, s'il vous plaît? Comment est-ce que vous l'écrivez? Utilisez le chat. Alors, voilà, Julia, avec un R, c'est encore mieux, effectivement. Très bien. Alors, tout le monde est d'accord, c'est effectivement croire. Très bien, vous pouvez vous arrêter. L'idée, c'est de le faire très rapidement. Qu'est-ce que la traduction de to become, s'il vous plaît? To become, qu'est-ce que c'est la traduction? Alors, nous avons quelqu'un qui est très rapide. D'accord, Julia qui est la première, Mathieu qui est deuxième. Tout le monde, très bien. Effectivement, c'est devenir. Traduction de to stay. To stay. S'il vous plaît, quelle est la traduction? Effectivement, pas de problème. To hear. Quelle est la traduction de to hear something? Alors, effectivement, donc c'est entendre. Très bien. Faites attention parce que, oui, quelqu'un a mis écouter. Écouter, ce serait plutôt to listen. Là, en général, écouter, c'est plutôt avec une certaine attention, une certaine concentration, mais vraiment entendre, ça va être to hear. D'accord? Alors, je regarde l'heure et je me dis qu'effectivement, on n'aura peut-être pas le temps de faire cette liste-là, ni celle-là, mais c'est pas grave. Alors, regardez, maintenant, je voudrais, s'il vous plaît, Vladimira, vous êtes là, s'il vous plaît, ou pas? Alors, Vladimira a peut-être disparu. Je ne sais pas si elle a disparu. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je suppose qu'elle n'est plus là. Nana, vous êtes là, je le sais. Non, oui, peut-être. Nana, nous vous écoutons si vous êtes là. Nana n'est plus là. Mon Dieu, il y a des gens pourtant, mais ce n'est... Jason, vous êtes là, je suppose. Ah, voilà, Jason, un homme qui est courageux. Alors, s'il vous plaît, Jason, vous allez nous faire la lecture des contraires. Donc, ce sont des adjectifs. Enfin, pas des contraires, des adjectifs, s'il vous plaît. Lisez les adjectifs. Léger. Gros. Alors, on va d'abord faire la lecture. So, you just need to read them first, like that. Léger, ouais. Long, mouillé. Nouveau, ouvert, plein, rapide, d'accord. Riche. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, maintenant, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Jason, vous allez, s'il vous plaît, écrire léger dans le chat et essayer d'écrire le contraire, d'accord. Julia, vous aurez long et essayez d'écrire aussi le contraire. Maria, vous aurez mouillé, essayez d'écrire le contraire. Ankan, vous avez nouveau et le contraire. Ensuite, Kanika, vous avez ouvert et le contraire. Dina, vous avez plein et le contraire. Madelon, vous avez rapide et le contraire.
et classis, vous avez riche et le contraire. S'il vous plaît, écrivez-les. Si c'est possible d'écrire les deux, ce serait gentil. So if you can write both, it would be nice because to correct it would be better. Merci beaucoup. Alors, on va regarder ce que vous avez écrit. Donc, c'est comme ça. Mm-hmm. Alors, Julia qui était là, Dina, Ankan, est-ce que tout le monde a répondu? Je suppose que tout le monde a répondu. On va y aller maintenant, on va regarder ça ensemble. Donc, Jason, vous aviez léger. Quel est le contraire de léger, s'il vous plaît? Jason a disparu. Julia, s'il vous plaît, le contraire de long. Courte. Merci beaucoup. On ne va pas prononcer le T. Court. Court. Merci beaucoup. Maria, le contraire de mouillé. Sec. D'accord. Ankan, le contraire de nouveau. View. D'accord. Faites attention. Peut-être ce serait mieux de trouver ou de mettre ancien. Ancien, ce serait préférable. D'accord, nouveau, ancien. Pensez à un livre, une édition, hein, une édition, une nouvelle édition, une édition ancienne. D'accord. Kanika, le contraire d'ouvert, s'il vous plaît. Fermé. Fermé. Dina, le contraire de plein, s'il vous plaît. Vide. Merci. Madelon, le contraire de rapide, s'il vous plaît. Lente. Oui, très bien. Alors, tout à l'heure, j'ai vu dans le chat, vous avez proposé l'adverbe, hein, lentement, mais c'est l'adverbe, on est d'accord. Alors, faites attention, Madelon, parce que ça, c'est la forme féminine. Si vous mettez le masculin, c'est lent. Lent. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Classis, s'il vous plaît. Le contraire de riche, c'était Classis a disparu, ou est-ce que Classis est là? Pauvre, merci beaucoup, pauvre. Classis. Alors, Jason, vous êtes toujours là? Oui, mais je n'ai pas su. Ah, c'est pour ça, c'était un silence, mais c'est parce que vous ne saviez pas. Est-ce que quelqu'un veut aider Jason pour le contraire de léger, s'il vous plaît? Quel est le contraire de léger? Oui, effectivement, lourd. Très bien, c'était Julia. Lourd. Merci. Ouais, L-O-U-R-D, très bien. Maria l'a écrit. Mon Dieu, c'est un travail d'équipe, c'est formidable. Alors, regardez, on va cliquer, on va continuer. Normalement, ça continue. Ken, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez ouvrir votre micro? Oui. Merci beaucoup. Faites-nous, s'il vous plaît, Ken, la lecture de tous les adjectifs. I read it. Yeah, can you read them, just like we did with Jason? Just first read. Yeah. Bon. Chaud, serre, difficile, dur, con, out. Oui, faites attention, prononciation O, 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 O. O, O, jeune, joyeux. Oui, faites attention, joyeux, joyeux. Joyeux. Oui, wa, 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 yeux, wa, yeux, joyeux. Joyeux. D'accord, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer. Donc, Ken, c'est la même chose. Vous aurez dans le chat, s'il vous plaît, Ken, écrivez le contraire de beau. Matthew, vous allez écrire le contraire de bon. Finza, vous allez écrire le contraire de chaud. Vladimira, vous allez écrire le contraire de cher. Nana, vous allez écrire le contraire de difficile. Jason, vous allez écrire le contraire de dur. Julia, vous allez écrire le contraire de grand. Maria, vous allez écrire le contraire de haut. Ankan, vous allez écrire le contraire de jeune. Et Kanika, vous allez écrire le contraire de joyeux, s'il vous plaît. Alors. D'accord. Tout le monde. Je crois tout le monde a répondu. Donc, je crois que c'était... Oui, c'était Ken. Ken, vous êtes toujours là? Ken, est-ce que vous êtes là? Ah, oui. Oui, alors, donc, c'était pour vous, Ken. Quel est le contraire de beau, Ken? Il y a beau et laid.
Les, L-A-I-D, très bien, merci beaucoup. Matthew, le contraire de bon, s'il vous plaît. Le contraire de bon, c'est mal. Alors, faites attention, ça c'est un adverbe, on voudrait plutôt l'adjectif, et l'adjectif, souvenez-vous, c'est mauvais. Hein? M-A-U-V-A-I-S, d'accord, donc d'accord. Bon, d'accord. Mauvais. Merci beaucoup. Finza, le contraire de chaud, s'il vous plaît. Quoi? Froid, effectivement. Cher, le contraire, Nana. Là. Alors, cher, faites attention. Cher, c'est vraiment quand vous parlez du prix. Hein? Le prix, donc c'est en général, on dit pas cher pour le contraire, mais il y a un contraire. Est-ce que vous le connaissez? Non? Alors, est-ce que quelqu'un peut aider Nana pour nous dire le contraire de cher, s'il vous plaît? Expensive. Alors, expensive, mais le contraire. Bon marché. Merci beaucoup. Alors, effectivement, Julia a raison, c'est bon marché. Est-ce que vous pouvez l'écrire? Maria écrit tout. Oh là là, félicitations. Jason, s'il vous plaît, le contraire de difficile. Facile. Ouais. Julia, le contraire de dur. Pourquoi dur? J'avais 30. Ah, excusez-moi. Ah, ben ça arrive. Ça, eh bien, c'est un peu de flexibilité dans la vie, ça ne fait pas de mal. Le contraire de dur, Julia, s'il vous plaît, c'est... Je sais pas. Alors, ah oui, c'est pour ça. Regardez, Jason, vous avez aidé. C'était marqué là, c'est mou. Mou, M-O-U. Oui, merci beaucoup. Maria, le contraire de grand, s'il vous plaît. Maria a disparu. Oui. Vous êtes là. Petit, effectivement. Ankan, le contraire de haut. Regardez dans le chat si ça n'est pas votre adjectif. Je ne sais pas le contraire de haut. Le contraire de haut, en fait, ça va être bas. B-A-S. Vous voyez que c'était celui de Maria, justement, qui nous l'avait donné. Vous pouvez regarder dans le chat. Kanika, le contraire de jeune, s'il vous plaît. Bien. Oui, effectivement. Faites bien le E comme un E. Vieux. Vieux. D'accord, très bien. Et finalement, Dina, le contraire de joyeux. Joyeux, triste. Oui, triste, effectivement. Merci beaucoup. Alors, regardez. On n'aura pas le temps de faire tout ça. Donc, nous allons, puisque c'est déjà non, ça non plus. Oh, mon Dieu, j'avais préparé trop de choses pour nous. Eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Alors, la dernière chose, racontez-moi, s'il vous plaît, au futur ou au futur proche, futur simple ou futur proche, ce que vous allez faire après le cours ou ce week-end, si c'est le week-end pour vous. D'accord ? Donc, une petite phrase dans le chat, s'il vous plaît, et je regarderai, je ferai les corrections si c'est nécessaire. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Classis nous dit, ah non, pardon, Julia nous dit, je bougerai des meubles pour changer un petit peu l'environnement de mon appartement. D'accord, très bien, vous pourriez dire là. Donc, c'est l'environnement. Non, c'est bien. Oui, faites attention, environnement, un E entre le N et le M. Classis nous dit, ce week-end, je commanderai plus de provisions. Faites attention avec commanderai, Classis, parce que comme c'est le futur, c'est juste AI. Hein, c'est pas AIS, parce que AIS, c'est le conditionnel. Et donc là, ça change un petit peu. C'est quelque chose qui pourrait arriver, mais qui n'est vraiment pas sûr. Ensuite, Kesh nous dit je prendrai. Ouais, faites attention, Kesh, le verbe c'est prendre. Il y a un D hein, après votre N. D'accord, je prendrai mon dîner. Souvenez-vous, dîner c'est avec un R à la fin. D'accord. Alors, Maria nous dit j'irai. Alors, faites attention, Maria, parce que c'est intéressant. Effectivement, le verbe à l'infinitif c'est se promener. D'accord. Donc, comme vous le mettez en deuxième position, vous devez le mettre à l'infinitif, mais vous devez mettre votre pronom, vous devez l'adapter au sujet.
Et donc, c'est « j'irai me promener ». D'accord ? Si c'était « tu iras te promener », »,« il ira se promener ». Parce que « se », c'est aussi valable pour la troisième personne. D'accord ? Très bien. « Madelon, je vais chercher mon fils à l'aéroport. Il vient de Pennsylvanie. » Ah, donc, c'est toujours possible de se déplacer. Mais vous avez de la chance, Madelon. Nadesta qui nous dit « je vais répéter les verbes ». Oui, verbe, Nadesta, faites attention, V-E-R-B-E-S, d'accord, verbe. Finza qui nous dit « je vais », faites attention, « je vais dormir », V-A-I-S, « je vais dormir ». Lanley nous dit « je ferai des devoirs ce week-end », bravo Lanley, vous êtes courageux. Finza nous dit « je vais dormir », d'accord, ah ben donc c'est le même. Oui, d'accord, vous avez fait la correction, Finza, félicitations. Dina, ce week-end, je, même chose, je vais, V-A-I-S, faire du sport et rencontrer mon ami. Vladimira nous dit, OK. Well, she says that she didn't understand the exercise. So I'm sorry, Vladimira. The idea was to tell what you are going to do right after the lecture or during the weekend. So you could put the sentence in the present, in the near future, with the verb aller plus the infinitive form or the real future. It's up to you. Merci. Matthew nous dit, pendant le week-end, je travaillerai sur un projet, mais je vais dormir premièrement cet après-midi. Ouais, faites attention, après-midi, alors c'est masculin, et normalement, alors, it's a big discussion because it is masculine. In most of the cases, people tend to use it in a feminine form, but in the first place, it's masculine. So, cet should be C-E-T, remember. Je vais dîner, d'accord, effectivement, Ankan, Kanika, je vais dîner avec, be careful, Kanika, famille, in that case, it's singular, so it should be ma famille, d'accord, Michaela, ce week-end, je vais lire mes livres, très bien, Kesh, je prendrai mon dîner, Matthew, je vais prendre beaucoup de nourriture, aussi, I'm not sure, Matthew, that I understand the after nourriture and between nourriture and aussi, you've been putting aussier. I don't really understand here. Jason, je vais essayer de dormir. Je n'ai qu'un peu. Remember, has to go away, hein, Jason, because you will put the apostrophe. Un is starting with the vowel, so has to go. Nelson, je vais aller à l'église ce week-end. Remember, Nelson, weekend it's masculine, so it should be ce, C-E. Vladimira, je vais réviser la leçon. Merci. Ricky, je partirai au campus la semaine prochaine avec mes amis. Finza, je vais cuisiner du riz et je goûterai l'eau de, l'eau de vie. Be careful, hein? If it's strong. La modération. Matthew, I just meant right. Aussi, d'accord. D'accord, d'accord. Très bien. Bon, eh ben, merci beaucoup. Thank you very much. So, it was the end for this this week, we'll start next week on Monday. So normally everything will be okay. This week it was a bit special, but normally next week should be good. So same time, same place. Merci beaucoup à tout le monde et passez un bon week-end and be careful with the virus. So put the mask and everything to protect you. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur.